Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu de ce teaser. Alors déjà, ce trailer teaser. Alors déjà, première chose, je le trouve sublime. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu un trailer. Alors, pas un vrai trailer ultra travaillé comme c'était le cas par exemple avec les Mecha Storm, etc. Mais honnêtement, il est juste sublime. C'est qu'un petit teaser de skin et je le trouve mais tellement bien réussi. On a une musique d'ambiance. Ce passage-là, il met des frissons. Celui où on les voit là comme ça. Ce passage là, moi je suis assez fou. Enfin, je suis assez fou. Et dans les différences, enfin, la mise en scène et tout, je la trouve vraiment parfaite pour un truc comme ça qui est censé être un peu plus light, un peu en mode voilà, on donne envie, on regarde des petits skins. Franchement, ça m'a pris au trip quoi. En plus de ça, gros hommage bien entendu, gros hommage à G.I. Joe. Hein, si vous avez pas remarqué le gros clin d'œil G.I. Joe, avec notamment bah, les trois personnages que l'on voit ici, alors qu'ils sont tout simplement la représentation de la baronne, du commandant Cobra et de Storm Shadow. Alors du coup, alors commandant Cobra, il y a un petit côté Destro, mais on en parlera un petit peu après. Destro, mais bon, c'est plutôt Storm Shadow. Genji, c'est le samouraï. Enfin, le Genji, le ninja, pardon. Et du coup, Storm Shadow l'est également. Alors la baronne, pour Anna, on n'a pas trop le côté ultra sexualisé. Alors pour la petite anecdote, alors je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue, mais c'est vrai que pour la petite anecdote, ce qui est très drôle, c'est que au final, la griffe d'Overwatch est très inspirée. J'en ai déjà parlé dans mes vidéos de lore d'Overwatch, mais très 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 inspirée de G.I. Joe. Donc on sent que les devs hein, de chez Blizzard, ils ont kiffé G.I. Joe dans leur enfance probablement et avec les comics, etc. Personnellement d'ailleurs, j'ai adoré le film et je vous le conseille. Le premier, le deuxième est un peu what the fuck, mais le premier, moi j'avais adoré. C'était un film d'action, normalement t'attends rien et je sais pas, je trouvais que le scénario était vachement bien foutu, des petites intrigues et tout. Je sais pas, j'avais trouvé très bon et ce qui m'a fait découvrir G.I. Joe d'ailleurs. En attendant, donc ouais, Storm Shadow, qui est l'un des personnages les plus iconiques, bah, le ninja quoi, c'est voilà, le ninja, c'est quand on est gamin, le ninja. À côté de ça, donc le commandant Cobra, qui est Stukov au final, hein, Stukov qui représente le commandant Cobra, qui ressemble un peu plus d'ailleurs au commandant Cobra du film de 2008, je crois, 2008 ou 2009, qui était d'ailleurs Joseph Gordon-Levitt qui était dedans. Donc plutôt que la version comics que je vous ai mise là. Et Anna du coup en baronne, mais baronne pas aussi sexy et tout, donc c'est intéressant. Avec un skin jeune en plus pour Anna. Donc ça c'est vraiment voilà l'hommage à G.I. Joe, clairement. Hein. Et c'est d'ailleurs pour ça que je pense que Genji c'est plus Storm Shadow vraiment que Destro, puisque Storm Shadow est en blanc. Et à côté de ça, alors Destro c'est un personnage de G.I. Joe, on reviendra juste après, hein, ne vous en faites pas. Et donc le skin est franchement superbe, on vient de le regarder ensemble, c'est cool. Maintenant je suis sûr que vous posez tous la question, et on va partir en théorie. Qu'est-ce que... Alors on voit ici aussi pourquoi ça me fait dire que c'est le commandant Cobra. Simplement l'image aussi qui est ici un petit peu en mode comics. Hein, on rappelle aussi encore une fois le clin d'œil de G.I. Joe qui est aussi un comics. On a du coup bah voilà Storm Shadow qu'on voit très très bien ici. Anna en baronne qui ressemble avec cette figure. On voit vraiment l'inspiration baronne. Et derrière le commandant Cobra qui a toujours été dans l'ombre, etc. Donc là en plus en figure... On va dire très grande et très représentative du pouvoir au final caché, mais qui représente la hiérarchie, on va dire. Et à côté de ça, on a justement ce coup de poing dans la télé, et tout le monde se demande, bien entendu, qu'est-ce que c'est? Est-ce un skin? Est-ce un teaser pour un prochain perso? Est-ce un tease pour un rework? Alors, on va commencer la théorie, je sais absolument pas, hein. Moi je vais donner mes théories, bien entendu. Alors, déjà, on est dans une catégorie de skin spéciale G.I. Joe, hein, la vipère au lieu du cobra. Personnellement, moi je vois Garrosh. Ici, je vois un Garrosh. Ça s'entend aussi au bruit, hein, écoutez bien. Ça fait très Garrosh. C'est le doubleur de Garrosh, ça fait très Garrosh. Autre possibilité, peut-être Ticus, mais j'ai vraiment le sentiment que c'est Garrosh. Beaucoup pensent à Doomfist à cause du poing, etc. Mais je vous rappelle quand même que Garrosh a trois techniques dans son arbre de talent, même s'ils ne sont jamais pris concernant le coup de poing. Hein, c'est. Donc moi ça ressemble, et puis bon un orc qui pète une télé parce qu'il est pas content, ça, voilà. Après Ticus aussi, le côté à voix très viril, et bon Ticus on se rappelle qu'il a mis un coup de pistolet dans le, enfin non c'était Raynor qui a mis le coup de pistolet, mais bon il avait détruit le jukebox Ticus, donc voilà il y a ce principe là. Après moi c'est surtout au final, truc con hein, mais la voix doublée en fait de ce petit... De cette peau en fait. Alors effectivement la qualité c'est la qualité Twitter, donc c'est pas très très beau. Mais ah merde, je l'avais, hop, je l'avais là, voilà. Cette qualité ici là. Alors vous savez que je déteste les orques à la peau marron, tout ça, hein. À base, ils ont tous la peau verte. Mais ça fait, c'est peau marron ça. Si on se le remet en vitesse réelle,
C'est une peau marron, ça. Et le timbre de voix plus la peau marron me fait dire que c'est Garrosh. Me fait dire que c'est Garrosh. Après, il y a un truc qu'on va tout de suite mettre les choses au clair. Moi, là-dessus, je pense vraiment pas que c'est un nouveau perso. Sally n'est même pas encore sortie sur le PTR. Blizzard n'a jamais teasé un perso alors que le premier n'est même pas encore sorti, même pas sur le PTR. Donc je ne vois absolument pas le tease d'un prochain perso. Pour moi, c'est le tease d'un autre skin, c'est-à-dire qu'ils seront pas 3, mais en fait 4, avec un skin un peu caché qu'on découvrira au moment de la sortie. Ce qui, commercialement parlant, est vachement intéressant. Tu teases 3 persos, enfin tu teases 3 persos avec 3 skins, Anna qui a pas encore eu de skin véritable et tout, t'es en mode waouh, c'est classe, et le jour J, le jour où le sort truc, fait oh putain, mais il y a aussi Garrosh et tout. Et je pense que ça, c'est beaucoup plus sympathique. Après, ça pourrait, comme Sally vient d'être annoncé, maintenant vous savez, c'est 3 semaines un perso, 3 semaines des rework, 3 semaines un perso, 3 semaines des rework. Après, les gros rework, hein, rework majeur, parce qu'il y a aussi eu des rework là, par exemple, il y a Artanis avec le patch, il y a eu Artanis. Mais c'est possible en fait que ce soit un skin spécial, du coup, enfin, un skin spécial pour Garrosh par exemple, ou pour Tikus. Après, je ne vois absolument pas le prochain perso. Alors, en quoi serait ce skin de Garrosh, par exemple? Moi, je voyais. Alors, si on continue dans le côté G.I. Joe, il y a deux possibilités, je pense, les plus. Sachant. Alors, pourquoi, vous allez me dire, mais pourquoi, du coup, si c'est un G.I. Joe aussi? Alors, je rappelle que G.I. Joe, et si vous ne connaissez pas, c'est G.I. Joe versus Cobra. Certains pensent que ce serait Storm versus Viper, du coup, dans Heroes of the Storm, avec les skins Storm qui étaient sortis dans la police, etc. Ce qui est tout à fait possible. Mais pour le moment, rien de moins sûr. On pourrait lier tout ça dans un univers en commun. Après, l'autre point, ce serait justement, moi je vois plutôt un autre acteur de Viper, en fait, un autre acteur de Cobra. Mais faut savoir que dans l'organisation criminelle Cobra dans G.I. Joe, plusieurs leaders se sont succédés. Le commandant, qu'on a vu hein, être Stukov, mais également deux autres. Serpentor, qu'on voit ici. Alors, il a un nom à coucher dehors, hein, je suis d'accord. Serpentor, mais il est quand même assez badass comme ça. Bon, après, c'est une des images les plus badass que j'ai trouvées, parce que sinon, il est dégueulasse. Hein, il est tout vert, là, c'est ridicule. Mais je voyais bien un Garrosh, sachant qu'en plus, dans l'histoire, Serpentor, c'est un dictateur qui a récupéré, donc c'est une création génétique pure avec en fait, enfin pure, pas aussi pure que ça finalement, mais avec du coup, qui a des gènes des plus grands commandants militaires qui aient jamais existé, par exemple Napoléon, Jules César, Alexandre le Grand, etc. Me demandez pas comment ils ont récupéré l'ADN de ces éminents personnages. Voilà, en tout cas, c'est dans l'histoire de G.I. Joe. Du coup, je verrais bien un Garrosh dans ce délire, un peu en mode. Ça a toujours été un peu le même délire, le côté génétique orc, la vraie orque. Enfin, Garrosh, c'est un peu le Hitler des orques. Hein. Donc, c'est vrai que je verrais bien un Garrosh comme ça, en Serpentor. Ça pourrait être intéressant. On pourrait imaginer cela. Après, Garrosh, il a aussi été connu pour Warlord of Draenor avec la Horde de Fer, le principe du métal, etc., d'une horde très métallisée. Et du coup, forcément, on pense à Destro qui a aussi un petit peu manipulé son monde et qui a toujours cherché à prendre la tête de Cobra face au commandant et face à Serpentor. Donc, on pourrait tout à fait voir Destro dans cette idée-là, qui est donc on imaginerait un Garrosh avec potentiellement une tête en forme de Cobra, mais peut-être en crâne, on va dire, enfin en crâne métallisé, etc. Ce qui irait très bien dans le côté Horde de Fer de Warlord of Draenor. Pour Garrosh. Donc il y a les deux aspects là pour moi. Après beaucoup évoquent le fait que ce soit potentiellement un nouveau perso. Personnellement je n'y crois pas. Alors aussi il y a cette photo en haut à gauche. J'avoue avoir absolument aucune idée de ce que représente cette photo. Alors vous allez me dire oui mais du coup ça chamboule tout de ce que tu annonces etc. Oui oui mais cette photo ça pourrait enfin, Blizzard a souvent fait des faux teasings, etc. Cette photo, c'est vrai qu'on pourrait imaginer une Sombra jeune, etc. Certains évoquent du coup le fait que c'est forcément Rodog, parce qu'il y a un petit cochon, elle a un petit cochon dans les mains, etc. Mais Rodog dans Heroes, enfin il y en a, ils craquent vraiment. Mais peut-être dans 10 ans, mais pas maintenant, je pense pas. Mais du coup, c'est vrai que j'ai absolument aucune idée je connais peut-être pas assez G.I. Joe pour savoir enfin, pour avoir le clin d'œil justement de ce qu'est cette petite fille. C'est vrai qu'à première vue, on dirait Sombra. Ça pourrait également être une Pharah jeune, étant donné qu'il y a Ana en skin. Je n'y crois pas forcément, mais j'avoue avoir absolument aucune idée de cette photo. Par contre, c'est vrai que pour le personnage, voilà, il y a d'autres potentiellement de théories. Tease d'un nouveau héros, je vous l'ai dit, mais je n'y crois absolument pas non plus. Mais certains disent Doomfist, c'est absolument pas le point de Doomfist.
C'est quand même un teaser de skin, donc ce serait plutôt un skin. Après, Doomfist, je n'y crois pas non plus. C'est vrai que comme la petite a un teint mat, ça pourrait être soit être latino, soit pour être africain. Mais je vois absolument pas non plus Doomfist là-dessus. C'est pas du tout son point. Le point de Doomfist est immense. Hein. J'ai fait une vidéo de lore sur Doomfist, je vous laisse aller la voir. Doomfist, c'est pas ce petit point-là, quoi. Après, bon, c'est suffisamment grand pour être un garrosh, mais c'est pas. Doomfist, c'est un énorme bras qu'il a. Hein. Donc. Ouais, pas, je n'y crois pas. Certains évoquent la voix, hein, que ça ressemble un petit peu à la voix de Reaper. Je n'ai pas le côté. Je n'entends pas. Personnellement, je n'entends pas le côté. Le côté gluttural, le côté. Qui est censé représenter Reaper. Donc, je ne vois pas Gabriel Reyes ici. Certains évoquent Soldat 76. Je ne crois pas non plus. Alors, peut-être que la peau marron, ce serait pour Gabriel Reyes. L'idée, justement, d'une fille. Une potentielle fille. C'est pour ça Gabriel Reyes, mais c'est pareil, je n'y crois pas non plus. Et sinon, ce serait peut-être plus le tease d'un rework, puisque je le rappelle, au niveau des dates maintenant, 3 semaines un perso, 3 semaines des gros rework avec skin, etc. Et 3 semaines, on a un nouveau perso. Donc peut-être que, puisque Blizzard, ça fait plus d'un an et demi qu'ils disent qu'ils vont calmer le rythme de sortie. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont loupé cette news, mais ça fait très longtemps que Blizzard dit qu'ils vont calmer les rythmes de sortie de héros. Donc pour justement se concentrer sur les rework et de nouvelles choses. Du coup, peut-être un rework de perso, mais alors quel perso? Parce que c'est vrai que ça fait très agressif, je dirais. On voit au point le côté animal, donc ça pourrait tout à fait. Alors personnellement, le perso le plus animal qui aurait besoin d'un rework pour moi, c'est Butcher. Donc je ne vois pas non plus le côté Butcher ici. Après, on pourrait imaginer un Rexxar, un Rhaegar également. Le côté très incisif, le côté brutal. Sinon, c'est vrai que j'avoue ne pas trop avoir d'idées. Donc personnellement, je ne pense ni rework, ni sortie de perso, juste un quatrième, enfin un tease d'un quatrième skin. Et à ce moment-là, je verrais bien un Garrosh ou un autre héros, comme j'ai un peu cité des héros de type brutal, on va dire, de type guerrier. Mais je verrais bien Garrosh. Je verrais bien Garrosh. Du coup, voilà pour ce qu'il en est, mais c'est vrai que j'ai vraiment trouvé que ce teaser vraiment très très sympathique. Et j'espère que voilà, vous avez que j'ai répondu à certaines de vos questions. J'imagine que ça en pose d'autres aussi. Donc est-ce que vous pensez comme moi pour cette théorie? Est-ce que vous avez d'autres idées? Est-ce que ce spotlight aussi, tout simplement, enfin, ce spotlight, c'est pas un spotlight, ce tease vous a plu? Parce que franchement, moi j'ai adoré. On va se le remettre une fois, j'arrête pas de me le re-regarder en boucle, mais ce passage-là. Alors on voit aussi le côté, ça fait un petit peu, ça m'a fait penser un petit peu aussi au Nouvel Ordre dans Star Wars, mais ça a tout simplement toujours été le côté dictatorial de Cobra dans G.I. Joe, donc il n'y a absolument pas de souci là-dessus. Mais j'ai adoré moi ce moment derrière, le moment juste après. Ça, voilà, on va se quitter là-dessus. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter justement. Est-ce que vous avez d'autres théories? Est-ce que vous êtes d'accord avec les miennes? N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager autour de vous, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. On se dit à plein de bisous, je vous fais plein de bisous. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus dans le Nexus.